seul. Transforme-toi en traîneau du Père Noël. Papa, j'ai invité tous les animaux magiques pour qu'ils puissent se joindre à notre réveillon de Noël. Oh, Mila, c'est une idée merveilleuse. Mais Tante Augustine arrive et elle... Mais que font tous ces animaux magiques ici? Bonjour, ma chère nièce. Mon frère, je croyais qu'on était d'accord. Le dîner de Noël, c'est seulement pour les humains. Et pas pour les animaux magiques. Je crois que Tante Augustine n'aime pas les animaux magiques. Allez, nous avons un dîner à préparer. D'accord. Je suis désolée, les amis. D'abord, la purée de pommes de terre. Donne-moi les pommes de terre, s'il te plaît. Hein? Oh! Eh bien, les pommes de terre sont en purée. Ce n'est pas drôle, mon frère. Je t'avais dit que nous aurions de la neige pour Noël cette année. Brûle. Tu es le pire aide-cuisinier que j'ai jamais eu. Pourquoi n'irais-tu pas attendre dans le salon? Je vais m'occuper du dîner. Je ne comprends pas pourquoi Tante Augustine n'aime pas les animaux magiques. Noël est une fête familiale. Et nos animaux, eux aussi, font partie de la famille. Morphol, manque d'amis. Le dîner est prêt. Tu dois rester ici, Morphol. Mais je vais te garder du gâteau, d'accord? Oh! Ce n'est pas grand-chose. Mais ça fera l'affaire. Hein? Oh non, notre repas de Noël est fichu. Je sais qui peut nous aider. Ok, tes nouveaux aides de cuisine vont te donner un coup de main. Que veux-tu qu'ils fassent? Bien, il faut nettoyer la cuisine. Atmo, c'est ton boulot. Et maintenant? Eh bien, nous avons besoin de nouvelles pommes de terre. J'en ai encore à la maison, mais c'est trop loin. Téléfox peut aller les chercher. Four est cassé. Morphol, transforme-toi en four. Oh, je n'ai jamais...
Augustine a préparé le dîner. Oh. Wow. J'ai passé un bon moment. Les animaux magiques ne sont pas aussi mauvais que je le pensais. Surtout celui-ci. Il a été d'une grande aide pour la cuisine. Tu sais, Augustine, Sporky est toujours à la recherche d'un nouveau foyer. Vraiment? Qu'en dis-tu, Sporky? Tu veux être mon animal de compagnie magique? Au revoir! Au revoir! Je suis le plus fort de super-héros. Je soulève facilement cette voiture. Morphle, nous allons l'aider. Je suis aussi un super-héros et je peux voler. Oui! Au secours! Au secours! Barky veut seulement jouer! Il ne mord pas! Enlevez cette chose de là! Laissez cette femme tranquille, monsieur! Oh, et puis je m'en fous! Merci beaucoup, super-héros! Puis-je remercier? Comment vous appelez-vous? Je suis... On ne peut pas le dire! Nous sommes des super-héros masqués et nos identités sont secrètes! Rendez ces trophées! Je les garde! Je n'ai jamais eu de trophée au lycée! Yeah, maintenant, je suis officiellement le meilleur danseur de ballet! D'accord, d'accord. C'est bon, on vous rend les trophées. Non, non. Vous pouvez garder celui-là. C'est écrit... le meilleur pour se faire attraper. Nous sommes des champions, Stein. Yeah. Nous sommes ici avec les personnes qui ont sauvé les trophées de la ville. Nous avons une question pour vous. Qui êtes-vous? Nous ne pouvons pas vous le dire. Nous sommes des super-héros masqués. Et nous... Je suis Troy. Je suis April. Morphle. Waouh! Des bébés tricératops. Bébé. Oui. J'ai trouvé ces œufs avec ma machine à remonter le temps. Ils étaient posés comme ça, dans le futur, sans parents pour s'en occuper. Morphle, morphe-toi en tricératops. Les dinosaures n'existent plus maintenant. Mais avec cette machine à remonter le temps, nous pouvons trouver des dinosaures différents de millions d'années et les zapper dans notre époque. Comme ça, nous pouvons les étudier.
bien, nous n'avons plus besoin de lui maintenant. Nous allons le renvoyer chez lui. Oh non, professeur Rachid! Oh non! Mila, utilise la machine pour me ramener dans notre époque. Je vais essayer. Oui, super. Zappe-moi. Oups. Oh non, essaye encore. Mila, toi et Murfel, vous devez aller chercher mon amie, professeur Tsang. C'est aussi une scientifique. Elle pourra réparer la machine. D'accord. Attention, Murfel. C'est un T-Rex. Morphle, il faut trouver professeur Tsang. Viens, Morphle, par là. Les dinosaures sont partout dans la ville. Habite professeur Tsang. Professeur Tsang? Mila, Morphle, que se passe-t-il? S'il vous plaît, aidez-nous à réparer la machine. Nous devons zapper le T-Rex dans son époque. Oh non! Le T-Rex arrive! Ok, c'est réparé! Oui, ils ont réparé la machine. Maintenant, renvoyons les autres aussi. Merci beaucoup de m'avoir sauvé, Mila et Murfel. Alors, j'en ai parlé avec professeur Tsang, et c'est peut-être mieux si nous renvoyons aussi les bébés Triceratops dans leur époque. Mais vous avez dit qu'ils n'avaient pas de parents pour les protéger. Oui, mais... Morphle, pas renvoyer bébé. Mais nous ne pouvons pas les garder, Morphle. Maman et papa veulent que je n'ai qu'un animal de compagnie. Mais je t'ai déjà... Ne t'en fais pas, Morphle. Je sais comment leur trouver un bon foyer. Ah, regarde ces singes, Morphle. Ils sont si drôles. Morphle, morphe-toi en singe.
singe. Morphle, regarde. Mila, où est Morphle? Il est temps de rentrer à la maison. Oh, tu es là. Bien, allez, on y va. Ah, ces vilains singes sont encore de retour. Allez, attrape-les, Rudy. Ah, je suis vraiment désolé pour ça. Je vous en prie, madame. Tu l'as eu, Rudy. Bravo. Toi, tu es le seul singe qui n'est jamais vilain. Tu écoutes toujours. Regarde, Rudy, nous avons oublié un singe. Il sort du zoo, comme ça, il va s'échapper. C'est vraiment vilain. Va le chercher, Rudy, et ramène-le sain et sauf. Ok, amusez-vous bien. À plus tard. Regarde, Morphle, un autre singe. Oh non, il veut t'attraper. Bon travail! Tu l'as ramené chez lui! Ok, Rudy, reste ici et surveille bien ces vilains singes. Et quoi qu'il arrive, ne laisse pas ce petit singe s'échapper encore une fois! Morphle, pas un singe! Morphle, animal magique! Morphle, rentre maison! Mila manque, Morphle! Oh, Rudy! Oh, je croyais que tu étais le seul singe jamais vilain. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas le laisser s'échapper. Tu ne m'as pas écouté. Oh, je suis vraiment déçu. Hein? Tu n'es pas un singe. Non, il n'est pas un singe.
C'est mon animal magique, Morphle. Il s'est juste morphé en singe. Oh, je suis désolé, Morphle. Je pensais que tu étais un de ces vilains singes. Et maintenant, je comprends pourquoi tu ne m'as pas écouté, Rudy. Tu savais que Morphle n'était pas un vrai singe, n'est-ce pas? Tu voulais qu'il rentre chez lui, chez Mila. Tu n'étais pas du tout vilain. Rentrons à la maison maintenant, Morphle. Morphle veut retourner chez Singe. Morphle, jouer avec Singe. Oh non! Barky, le chien de Monsieur Vanderboos, court après Teacup. Vas-y, attrape-le. Barky fait peur à tous les chats. Pas tous les chats. Morphle, morphe-toi en tigre. Barky. Oh, un tigre. Oui, allô? Ici la police. Un méchant tigre est en train de poursuivre mon pauvre chien innocent, Barky. Quoi? Un tigre? Nous arrivons! Regarde, une voiture avec télécommande. Troy! Sauve Teacup, s'il te plaît. Ouais. Morphle, morphe-toi en souris. Hein? Les chats aiment courir après les souris. Hein? Ce n'était pas un tigre ou une souris. C'était Morphle. Super! Maintenant que tout le monde est là, si nous nous arrêtions de nous courir après, qu'à la place, nous nous amusions ensemble. On dirait bien que ce chien adore courir après les petits chats. Morphle aime courir après. Étant un policier, moi, j'adore courir après les méchants. Ouais, se courir après est très amusant. Peut-être, nous allons nous courir après et s'amuser ensemble. Jouons au chat. Ok, monsieur l'agent. Vous comptez jusqu'à 10 et vous essayez de nous attraper. 7, 8, 9,
10, j'arrive. Vous êtes tous attrapés. Non, pas tous. Vous n'avez pas attrapé Teacup. À ton tour, Teacup. Il arrive, il arrive. Courez, courez. Salut les enfants! Salut Morphle, tu as l'air en pleine forme! Morphle est licorne maintenant! Morphle a une corne et Morphle a des ailes! Incroyable! Wouhou! Wow! Tu peux faire la même chose, Morphle? Morphle, essayez! Oui! Wow, 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 wow! Wow! T'as une super licorne, Morphle! Hein? Oh! Toi aussi, tu es une super licorne! Licorne! Morphle, ami. Morphle, heureux. Allons là-bas. Allez, les gars. Partons à l'aventure. Au revoir, monsieur Laurent. Au revoir. Au revoir, les enfants. Oh, waouh. Allons là-bas. Oui. Hé hey. Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Bébé dragon,
Nous voilà! Voyons voir! Oh, hé! Lila! Lila! Regarde! C'est le bébé dragon!